Merci de choisir Léon Joléo et merci de nous suivre à République démocratique du Congo et à travers le monde. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Chers internautes, vous suivez de près et de loin la situation de Bunagana. Il y a environ 3 mois que la cité de Bunagana, dans le territoire de Rutshuru, est toujours contrôlée par le terroriste du M23, soutenu par le Rwanda. Chers internautes, nous recevons M. Kassman Jean-Pierre, il est militant de la Lucha section de Butembo. Il nous donne son point de vue après 3 mois d'occupation du terroriste du M23 à Bunagana. Restez avec nous et bienvenue dans cette émission. Nous voici avec Kassman, il est militant de la Lucha à ville de Butembo. Kassman, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Je suis aussi très ravi de votre invitation pour ce jour, pour que nous puissions échanger sur les actualités et sur les problèmes de notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, Kassman, vous êtes militant de la Lucha. Et quelles sont les dernières informations que vous avez? Donc, les informations à la ligne. À la une aujourd'hui, nous savons que nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo et une partie qui est en proie à la sécurité. Nous sommes aujourd'hui en train de totaliser plus de trimestres que Bunagana et d'autres villages du territoire de Rutshuru sont sous occupation du M23. Aussi, dans notre région de Beni, il y a des tueries chaque jour. La semaine dernière, il y a des tueries dans plus de 4 villages et les ADF ont même hissé les drapeaux dans plus de 13 villages dans les territoires de Mambasa et dans les territoires de Dirumu. Aussi, il faut rappeler que M. Vital Kamerhe, qui est sorti récemment de la prison et a tourné dans la région de l'Est pour, selon lui, appeler la population à la paix. Et c'est une actualité qui fait beaucoup de commentaires. Alors que nous savons que Vital Kamerhe a été emprisonné pour avoir détourné l'argent du peuple congolais. Il est sorti et c'est lui aujourd'hui qui est transformé en pacificateur. Voilà deux actualités que j'ai pour ce jour. Oui, Monsieur Kassman, vous suivez de près et de loin la situation de l'Est de la République démocratique du Congo également, donc dans l'actualité en RDC. Cela fait exactement 3 mois que Bunagana, dans les Rutshuru, est contrôlé et occupé par le M23, soutenu par les Rwandais, par l'armée rwandaise. Monsieur Kassman, avec vous. Pensez-vous que ou vous êtes convaincu que notre armée, les FARDC, prend trop encore la cité stratégique de Bunagana? Ce que je déplore est que Bunagana est sous occupation des rebelles qualifiés déjà de terroristes et le gouvernement de M. Tshisekedi est en train de préméditer cette action, de préméditer la balkanisation dans notre région. Il est inacceptable que Bunagana soit sous contrôle des rebelles pendant plus de 3 mois et que le gouvernement continue à se sentir tel quel. Je me souviens, le président de la République avait dit qu'il se sentirait réellement président quand la partie est de la République démocratique du Congo sera en sécurité. Mais aujourd'hui, les rebelles du M23 occupent Bunagana et plusieurs autres villages dans le territoire de Rutshuru. Ça, moi, je qualifie ça d'un acte, un acte prémédité, un acte préconçu par les autorités gouvernementales, parce que ces autorités, à un moment donné, ils ont décidé d'affaiblir l'armée congolaise. Ils n'ont pas voulu fournir des munitions, ils n'ont pas voulu fournir la logistique suffisante aux éléments de FARDC. Ils ont dénoncé les magouilles au sein de FARDC, mais ils ne veulent pas poursuivre ces malfrats, ces détourneurs de biens destinés à l'armée congolaise. C'est pourquoi moi j'ai dit que ce fait que Bunagana soit encore occupé aujourd'hui, c'est un acte complice du gouvernement congolais, parce que lui-même ne veut pas fournir des éléments nécessaires ou bien la logistique nécessaire au FARDC afin que ceux-ci puissent combattre les ennemis de la paix. Voilà moi ce que je pense.
Monsieur Kassmann, le ministre de la Défense il nous a parlé qu'il y a des avancées au niveau diplomatique. Christophe Lutundula, le ministre de la Défense, a souligné que la force régionale EAC sera bientôt déployée. Et d'ailleurs, il y a certains éléments qui sont déjà déployés ici à l'est de la République. Mais la force kenyane sera à côté, sera déployée donc dans les Rutshuru, à côté de notre armée loyaliste FARDC pour combattre ces terroristes du M23. Qu'est-ce que vous avez comme analyse face à cette information, à l'actualité que M. Christophe Lutundula a donnée ici récemment face à cette force régionale ici à l'est de la RDC pour combattre à côté de notre armée loyaliste? Oui. Tout d'abord, il faut rappeler que nous sommes un État souverain. Nous sommes un pays souverain et c'est extrêmement dangereux de penser que ce sont les étrangers qui viendront régler nos problèmes de souveraineté. Nous avons ce devoir sacré de défendre l'intégrité de notre territoire. Confier ces missions régaliennes à des personnes étrangères, c'est tout à fait aberrant. Et on ne doit pas continuer à accepter, à cochonner cette façon de faire du gouvernement. Les forces de l'EAC, de l'East Africa Community, c'est juste une mascarade. C'est juste une mascarade parce que si vous voyez l'historique, tous les pays qui vont envoyer leurs troupes dans notre pays ont déjà les leurs sur le sol congolais. Il y a par exemple le Kenya qui a ses troupes qui sont déjà dans la MONUSCO, qui elle aussi ne fait rien. Il y a l'Ouganda et le Rwanda qui nous agressent. C'est incompréhensible qu'aujourd'hui, on nous dise qu'ils sont ces agresseurs qui vont venir appuyer notre sécurité. C'est ça, c'est jouer au jeu du sapeur-pompier. Donc ça, c'est pour moi, Christophe Lutundula ne doit pas se frotter les mains parce que le Kenya et la République démocratique du Congo, on ne comprend même pas quel deal il y a entre Félix et le président kenyan. Parce que le Kenya est déjà sur le sol congolais. L'Ouganda et le Rwanda, comme je l'ai dit tantôt, ils sont là pour nous agresser. Les Burundi, mêmement, ils sont là dans le sud Kivu avec les Mbororo et les autres rébellions qui sont là. Mais aujourd'hui, mettre notre confiance en ces forces-là, c'est tout à fait une illusion. C'est tout à fait une illusion. Et ça nous fait reculer. À lieu place d'amener ces troupes, le gouvernement ferait mieux de doter correctement les FARDC des moyens nécessaires. Et c'est là où j'interpelle les députés nationaux qui seront bientôt rentrés parlementaires. Aujourd'hui, ils sont contents de remplir leurs poches avec 21 000 dollars alors qu'il y a l'armée qui est en train de souffrir. Ça serait normal si les députés acceptaient que leur montant soit revu à la baisse pour que les militaires puissent se retrouver sur le front. Parce que les militaires sont sur le front, ils n'ont même pas de munitions, leur sort est toujours insignifiant. C'est possible, c'est normal qu'ils ne soient pas capables. La vraie idée serait de doter cette armée des moyens conséquents. Et voilà déjà les premières ressources sont là. Les députés sont de recevoir 22 000 dollars et l'armée ne sait pas trouver comment vivre. Voilà, c'est là où il faut travailler. Au lieu de se frotter les mains que Kenya va venir soutenir la RDC, le Soudan qui est à conflit chaque jour va venir soutenir la RDC. Voilà là où Christophe Lutundula n'arrivera pas à nous convaincre, nous les Congolais, parce que nous sommes souverains et nous savons que les voisins convoitent notre pays depuis longtemps. Il y a des ressources qui viennent venir piller chez nous et c'est pour cela qu'il faut leur semblant d'amener une soi-disant force. En réalité, c'est pour piller nos richesses. Pour moi, personnellement, je ne serai jamais d'accord avec cette idée de la force des soi-disant EAC, des soi-disant, je ne sais pas, SADC. Nous sommes un pays souverain et notre sécurité doit dépendre de notre gouvernement. Pas question d'attendre que la sécurité des Congolais soit assurée par les Kenyans, soit assurée par les Soudanais qui sont même eux-mêmes en insécurité. Voilà ce que moi je pense et je crois que les Congolais sont mobilisés derrière les FARDC. Ils n'ont derrière cette force
D'ailleurs, cette force qui est déjà composée de nos agresseurs. Voilà. Monsieur Kasma, et vous savez, les terroristes du M23, soutenus par les Rwandais, ils sont en train de percevoir des taxes alors qu'ils sont en train de faire les atrocités sur les civils dans les territoires de Rutshuru. Et vous, quand vous voyez ou quand vous attendez de cette information dans les Rutshuru, ou même avant-hier, il y a des civils, une centaine de civils qui ont été kidnappés. Ils ont été kidnappés par ces rebelles, par les terroristes du M23. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas leur sort. Ils sont où jusqu'à présent? Vous, M. Kasma, je sais que vous suivez de près et de loin cette situation dans le territoire de Rutshuru. Quel est votre commentaire, votre point de vue face aux atrocités que les Congolais sont en train de subir dans le territoire de Rutshuru, également aussi à Beni et dans le territoire d'Irum, donc dans la province de l'Ituri? Bon, pour moi, j'ai dit tantôt, c'est un acte juste de complicité. Ces rebelles bénéficient de la complicité du gouvernement parce que c'est inacceptable que le gouvernement se sent tel quand une partie de son pays est occupée par les rebelles. C'est inacceptable que le gouvernement qui se dit être responsable puisse consentir, puisse accepter que le pays puisse continuer à être occupé par les soi-disant M23. Alors, aujourd'hui, Bunagana occupé plus d'autres villages occupés par les rebelles. Je crois que le gouvernement devrait se sentir honteux, doit avoir honte finalement. Mais aussi, je crois que c'est le gouvernement qui est même responsable de tout ça. Il a été incapable de mener des actions offensives. Il s'est contenté de donner l'ordre aux éléments de FARDC de mener des actions défensives. Et c'est ça le gouvernement. Et là, je les qualifie de responsables de tout ce qui se passe là-bas. Le gouvernement, s'il était normal, il devrait quand même démissionner parce que il était investi pour assurer la protection des civils, de leurs biens, mais au moment où ils ne sont pas protégés aujourd'hui, ils devraient démissionner normalement. Et il a permis aux rebelles de se réorganiser, parce qu'on observe une trêve sur tous les fronts. Au fait, plus d'un mois, il y a les rebelles à 200 mètres, on se regarde, on ne fait rien. C'est un moment favorable pour les rebelles de se réorganiser. Donc c'est le gouvernement qui est responsable de tout ça. Et le gouvernement, je crois, il devra payer pour ces comportements inacceptables, inadmissibles qu'il fait vivre aux Congolais. Après plus de 3 mois, on ne doit pas rester en train de tergiverser, en train de spéculer, on va récupérer. Mais finalement, jusqu'à quand? Alors que la population est en train de subir et les rebelles se réorganisent du jour le jour. Et moi, mon humble avis, je penserais que ça serait important que le gouvernement laisse l'armée faire son travail. Parce que l'armée est déterminée à chasser les M23, mais les ordres du gouvernement qui se contentent juste de petites négociations, de petites diplomaties qui n'aboutissent même pas, ne permet pas à l'armée de faire bien son travail. Si on pourrait laisser l'armée être réellement indépendante et républicaine et qu'elle fasse son travail tel que la Constitution le dit, l'armée a le travail d'assurer la protection des frontières, d'assurer l'intégrité du territoire. Et si on la laissait dans cette prérogative, elle devrait agir correctement. Mais quand les autorités du pays prennent l'armée comme, je ne sais pas, sa chose, quand les autorités manipulent l'armée, ça ne va pas. Mais si l'armée restait indépendante et républicaine, si elle obéissait aux ordres de sa hiérarchie, si elle restait réellement indépendante et réalisait juste la mission qui lui est confiée, l'armée aurait déjà fait quelque chose. Parce qu'à Bunagana, il n'y a pas une guerre que nos FARDC peuvent échouer à terminer. Seulement, ce sont les politiques de Tshisekedi qui négocie aujourd'hui matin avec les rebelles, dit aujourd'hui je ne vais pas négocier, et il continue à négocier. On a vu ce qui s'est passé à Luanda. On a besoin du chef des rebelles
Et c'est le président du pays qui vient. Mais aujourd'hui, il continue à négocier. Nairobi, je ne sais pas, Luanda, toutes sortes de distractions. Moi, je qualifie de distractions. Que l'armée puisse s'affranchir et qu'elle fasse réellement ce travail qui est déjà bien défini dans notre constitution, qui est celui d'assurer l'intégrité du territoire. Oui, Monsieur Kasma, je rappelle aux téléspectateurs et internautes de notre chaîne Léon Joléo que vous êtes militant de la Lucha, section de Butembo. Après votre véritable combat de chasser la MONUSCO, quelle étape ou quelles sont les actions que vous allez encore faire face à l'insécurité grandissante dans la région, surtout dans les territoires de Rutshuru, à Beni, même dans les territoires de Rumu, donc dans la province de l'Ituri. Vous, comme des mouvements citoyens, qu'est-ce que vous comptez faire face à tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Merci. En fait, nous avons entamé le combat pour le départ de la MONUSCO. Et il faut rappeler que ce combat qui n'est pas fini, parce que l'objectif était de chasser la MONUSCO de toute l'étendue de la République de moitié du Congo. Aujourd'hui, si on a la petite victoire d'une bataille, la MONUSCO est partie de Butembo, mais c'est vraiment, ce n'est que grain dans un état de poussière. Et le combat est encore là. Et les prochaines étapes, nous allons demander au président. Nous comptons les saisir officiellement à travers une pétition que nous sommes en train de faire signer déjà, pour qu'il demande le retrait immédiat de la MONUSCO sur tout le sol congolais. Il sera dans un proche délai. Bientôt, dans quelques jours, on va déposer notre pétition. Et après cela, nous allons mener des actions. Je ne vais pas les définir ici. Nous allons mener des actions qui vont pousser le gouvernement à lancer des opérations, pas des opérations de grande envergure et qui sont faibles en même temps, mais des opérations qui vont contraindre les rebelles à quitter le sol congolais. Parce que notre pays a eu l'habitude de lancer des opérations qui sont juste fantômes. On lance des opérations, mais sur le terrain, il n'y a rien. Et ce qui s'observe, par exemple, à Bunagana, dans le territoire de Rutshuru, nos phares d'essai ne font que riposter à des attaques, mais jamais ils n'ont lancé des offensives. Donc nous allons mener des actions dans le sens d'appeler le gouvernement à faire qu'il y ait des opérations réellement offensives contre les positions des rebelles jusqu'à leur neutralisation définitive. Mais aussi dans le territoire de Beni, où on égorge les gens chaque jour, nous sommes en train de demander que la population reste mobilisée. Que la population reste mobilisée, qu'elle développe des mécanismes d'alerte et de vigilance. Parce que finalement, notre gouvernement, on ne sait pas s'il est encore soucieux du peuple de l'Est ou comment. Il faut que la population puisse s'organiser et voir comment elle peut se défendre en cas de besoin. Bon, mais aussi, nous sommes en train d'organiser très récemment le début de la construction des mausolées ou des tombes de toutes les victimes. Je crois en octobre, comme c'est l'année où le mois où le massacre a commencé dans la région de Beni, nous allons lancer le début de la construction des tombes des disparus. Et ça sera une occasion de chercher les actes de décès, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, mais finalement, ils ne sont pas identifiés. Ils n'ont pas d'acte de décès. Et juridiquement parlant, au risque de manquer des preuves qu'il y a eu génocide chez nous. Ce sont des actions que nous sommes en train de préparer dans un avenir très proche. Et autant d'autres actions, nous sommes en train de mobiliser aussi la population pour qu'elle s'approprie aussi l'engagement citoyen. Le combat pour le Congo nouveau est très grand. Et tout le monde est appelé à porter sa pierre pour qu'on avance. Nous sommes en train de mener des actions. Nous avons initié une campagne pour le Congo à laquelle nous appelons tout le monde à participer. Il faut que chaque citoyen, partout où il se trouve, qu'il soit acteur du changement. Qu'on ne pense pas que tel, c'est lui qui doit faire quelque chose. C'est tout le monde qui est appelé
à faire quelque chose. Voilà un peu. Excusez-moi un peu. Quoi. Ok, merci beaucoup, cher Kassman. Merci d'être toujours avec vous, avec nous, chers internautes de la chaîne Léoncho Léo. Kassman, avant, peut-être, comme nous sommes vers la fin de notre entretien, quel regard avez-vous face à l'étang de siège décrété par le gouvernement congolais? Mais la sécurité augmente et voilà, nous sommes plus d'un an. Plus d'un an de l'état de siège, mais jusque-là, pas des avancées au niveau sécuritaire. Quel regard avez-vous face à l'état de siège? Pour pas voir l'état de siège, depuis, vous l'avez dit, il n'y a pas d'avancée, il n'y a que des reculs. Les atrocités ont augmenté, si pas doublé même, et là, on l'a dit depuis longtemps. Et moi, aujourd'hui, j'ai besoin de me dire que l'état de siège serait venu pour autre chose. Peut-être que nous ne connaissons pas la vraie mission. Et sa mission peut être, selon moi, faciliter que les ennemis entrent facilement et exécutent leur mission. Parce que vous vous souviendrez que l'état de siège est venu alors que la conscience de la population était déjà très élevée. Et l'état de siège, j'ai besoin de me dire que c'est possible qu'il ait été établi pour qu'il fasse taire les voix qui commençaient à s'élever de partout. Alors moi, je me dis que cet état de siège, c'est vraiment aussi un arbre qui cache la forêt. Nous ne savons pas du tout ce qui a été à la base de cet état de siège. Est-ce que c'était pour mater les voix des activistes et de la population qui étaient déjà debout pour se défendre, ou est-ce que c'était réellement pour rétablir la paix dans la région? Et pour moi, je me dis que l'état de siège aurait une autre mission que rétablir la paix. Parce que depuis que les autorités sont là, il n'y a rien qui marche. On a besoin des moments qu'on n'avait jamais vécu, comme par exemple, on a vu l'évasion de Kakwangura, où les bandits font plus de 4 heures dans la ville, ce qui n'avait jamais été vécu dans la ville de Butembo. Ils sont sortis de la ville le matin, il n'y a rien qui a été fait. Aujourd'hui, on voit des milieux qui n'avaient jamais été attaqués, qui sont la cible des attaques des ADF, par exemple. Aujourd'hui, sous l'état de siège, nous avons quand même 3 mois qu'une partie du territoire n'est pas contrôlée par le gouvernement congolais. Ça veut dire que l'état de siège serait là pour faciliter la balkanisation de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ça s'accélère. Il y a des drapeaux qui sont hissés dans plus de 13 villages dans le territoire de Mambasa. Voilà, Bunagana et plus de 10 villages sont occupés. Des villes comme Butembo commencent à subir les attaques des ADF. Et avec ce bilan, est-ce qu'on peut dire que l'état de siège était là pour la paix? L'état de siège était là pour faciliter plutôt ces ennemis de la paix à opérer librement. Et à nous les activistes, à tous les citoyens conscients de ces terres. Parce qu'aujourd'hui, vous osez seulement parler, vous êtes les rats de chasse des autorités. Voilà au moins ce que je pense de l'état de siège. Et c'est ce qui est vrai. Je ne veux pas qu'on me dise le contraire. C'est ce qui est vrai parce que l'état de siège a échoué correctement selon ce qui avait été dit par rapport à sa mission de rétablir la paix. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend que l'état de siège est là pour autre chose. Et c'est là, surtout les plans. On a vu à Goma, par exemple, où le gouverneur s'est fait ériger un monument. On ne sait pas si un monument aujourd'hui s'érige pour des gens qui ont réalisé des mauvaises choses, bien des bonnes choses. Bon, on ne comprend plus. Donc, l'état de siège est là. À mon avis, c'est pour faciliter les ennemis à réaliser correctement leur mission et aussi écraser ceux qui osent lever leur petite voix pour dénoncer les différents problèmes, les différentes situations qui se passent dans notre région. Donc, si le président était sage, il ne devrait pas y aller midi 14h. Il devrait lever seulement la mesure en question qui n'a rien à faire dans notre région. Merci. Oui, monsieur Kassman, quel message en particulier avez-vous aux Congolais qui sont dans la diaspora? Ils sont en train de vous suivre loin de notre pays. Mais également, quel message avez-vous face à notre gouvernement? Aux Congolais qui me suivent de partout à travers le monde, je leur demande
de rester mobilisé, de rester mobilisé, mais aussi de ne pas perdre espoir, ne pas perdre espoir et de toujours continuer à croire à un avenir radieux de notre pays. Le pays est déjà potentiellement riche et il reste à nous de transformer cette richesse, disons ces potentialités en richesse. Aussi, le pays connaît beaucoup de problèmes. Nous devons arriver à comprendre cela, mettre ça dans la tête. Et le changement que nous avons toujours voulu ne viendra que de nous. C'est tout à fait illusionniste de penser que les étrangers vont amener le développement et la paix dans notre pays. Il n'y a que nous, les Congolais, qui allons changer les choses. Et il faut qu'on comprenne aujourd'hui que les autorités qui sont en place ne sont pas pour le changement du pays. Nous devons donc nous mobiliser aussi pour que ces autorités soient mises hors d'état de nuire. Je crois que nous sommes en train d'approcher les échéances électorales sans pour autant demander de mettre qui que ce soit, mais nous devons être aussi en train de voir comment les autorités sont en train de nous gérer et qu'aux échéances prochaines, que ce soit un moment de sanctionner toutes ces personnes-là, de sanctionner toutes ces personnes et nous trouver des bonnes personnes qui vont correctement gérer, nous amener vers les bonheurs que nous avons toujours rêvé. Donc, tous les Congolais doivent rester mobilisés. Tous les Congolais, même ceux de Kinshasa qui pensent que la situation de l'Est ne les concerne pas, ils doivent comprendre qu'il n'y a pas de Congo sans l'Est du pays. Il n'y a pas de Congo sans Beni, Ituri. Il n'y a pas de Congo sans Bunagana. L'affaire du Congo nous concerne tous. Nous avons un dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. On peut être en Europe, en France et ailleurs, mais si notre pays n'avait pas existé, on ne serait pas en France. Donc, on est en France parce qu'on a été d'abord Congolais et nous devons tous nous battre pour que notre pays, la RDC, puisse continuer à exister. Et aux autorités, elles doivent comprendre que les peuples congolais, nous ne serons pas éternellement leur marchepied. Nous sommes en train de prendre conscience et nous sommes témoins de tout ce qui se passe et nous les tenons responsables du chaos parce que les autorités ont tous les moyens possibles pour éradiquer les sécurités, pour éradiquer tous les maux qui gangrènent la communauté, mais elles font fi, elles ne font rien. Et nous sommes témoins, nous ne sommes pas dupes, une sanction sera réservée. Merci. Oui, merci à M. Kassman Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation sur la chaîne Léon Joléo. Je vous remercie pour cette occasion et je crois qu'à la prochaine, nous serons ensemble. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec Kassman Jean-Pierre. Il est militant de la Lucha section de Butembo. C'est à l'est de la RDC. Je suis Mme Penzi Manzekele à la présentation de cette émission. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Au revoir.